nous sommes venus répondre. Nous sommes venus lui dire ce que nous pensons pour que la paix revienne d'une manière durable et définitive en République démocratique du Congo. Nous, au niveau du Sénat, comme vous le savez, nous avons fait preuve de sagesse et nous avons demandé à ce que le processus de Luanda, tout comme celui de Nairobi, soit mis en œuvre. Parce que les feuilles de route qui ont été élaborées à l'issue des rencontres qui ont eu lieu entre les partis indiquent clairement les pistes qui permettent d'arriver à une paix durable. Et c'est pour cette raison que nous avons dit que pour nous, toutes les voies qui peuvent nous conduire à la paix sont les bienvenues. C'est un processus dans lequel nous, en tant que pays, mais surtout en tant que gouvernement, sous les instructions du président de la République, nous sommes totalement engagés par rapport au processus de Nairobi. Et c'est sur ce processus qui a désigné cette facilitation du président Uhuru Kenyatta dans le but d'atteindre les objectifs justement de ce processus de Nairobi. Ce processus sent très clair. Dans le cadre de la pacification de l'Est de la République démocratique du Congo, il a appelé à ce que toutes les forces négatives puissent entrer dans un processus de dialogue et de réinsertion sociale. Et nous avons, nous, réaffirmé cette position en demandant à ce que cet engagement pris soit respecté. De